Bonjour, il y a du sueur. Ce soir, c'est la bagarre. On joue toujours. Ainsi, je le spire dans un monde très métal. Qu'est-ce qui va se passer? Change my mind. Ah, par contre, je n'aime pas ça. Enculé ! Ah putain, attends. Ah non, d'accord, ok, il faut là, voilà, se mettre là. Et là tu reviens. Vite, 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 vite. Merde, putain, j'ai paniqué. Ça marche. J'ai paniqué, mais ça va bien se passer. Merde. 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 On l'a, mais c'est que là maintenant je veux maxer le truc. Quel con. Je l'ai quand même désactivé le truc. Et là, regarde, j'ai 14 secondes pour arriver là. Ça marche. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. C'est parti pour le niveau mortel. 7 sers. Viser. Quoi? Je fasse quoi là? J'ai l'impression que c'est un truc spécialement conçu pour foutre la merde. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est un niveau boss. Ça veut dire que vous le savez maintenant. Ça va devenir plus compliqué. Je ne sais toujours pas où je vais. On m'a dit dans ce jeu, il faut toujours... Bunny EP. Pourquoi la flèche m'emmène là-bas? Je comprends rien, quoi. Putain. On va y arriver, les copains, et ce n'est qu'un saut de margoulin. Même si là, il faut sauter, revenir en arrière, ce qui n'est pas possible physiquement. Mais je le fais quand même. Et maintenant, le truc sort. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je foute? Ah oui, ça y est, tu peux aller là. Et là, il y a quoi? Qu'est-ce que ça cache? Oh la merde! Quoi? Pardon? Mais t'as vu le délire? Non, je l'avais! On va y arriver. Allez, priez pour moi. Je me demande ce que c'est cette espèce de squelette géant dans le fond. J'avoue par contre, c'est le jeu, si tu le first try, t'es quand même un beau gosse. Hein. Mais ça se trouve, il y a moyen d'ouvrir le truc, mais de super loin, quoi. Quoi?
Ah non, c'est beaucoup trop haut. C'est beaucoup trop haut. Mais ouais, putain, non, c'est calculé quand même. Regarde ça, ça retombe comme de la merde. Alors regardez, déjà sur le début, on commence à être mieux. Hein. Je m'arrête trop longtemps. Là. Faut quand même maîtriser le frein aérien qui ne veut rien dire. Wow, c'est parti. On l'a défoncé le niveau. 7ème étage. Peut-être la fin de Somme ce soir. Sticky wall. Quoi? Ah oui d'accord, oui, oh putain. Oh putain de merde. Alors attention, ça va foutre la gerbe. Merde, faut bien viser tout de suite. Merde. The Bouncer. Ça va, il y en a, c'est pas très... Oh, j'ai danseuse. Et alors? Attends. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça, quoi? Mais, en fait, faut pas du tout que ça m'emmène là. En fait, le vrai début du niveau, il est là. Quoi? Ok. Et maintenant? Qu'est-ce que je foute là? Ah, attends, peut-être que... Est-ce qu'il y a un truc style tu rebondis quand c'est très... quand tu rebondis de trop longtemps quoi? Comment il marche. Bon, la célérité est hyper forte. Et une fois là. Regarde au sol. Oh putain! Merde. Mais ça, les textures sont hyper discrètes quand même. Ça c'était pas, non, ça c'était pas prévu. Hein. Wouh! Merci les gars. Vas-y. Bon, c'est pas grave. Ouh, wall jump. C'est parti. Merde, pff, quel con. Bon, y a carrément des astuces. Bon, ça, tu peux carrément même grimper sur le même truc tout le temps. Merde. Bon, ça va plus vite en wall jump. Merde. Je fais de la merde, je fais de la merde. Voilà, c'est bon. Disco! Disco this, disco that. When this goes to hell, that's where we're at. Et personne n'a écouté le dernier album d'Alice Cooper, bien entendu. Merde. Ok, ça marche. J'ai la strat. Damn, I'm good. Merde.
Bon, vite fait. Here. Run through the Oh, regardez, c'est un hommage à un petit jeu qui utilisait une technique d'animation révolutionnaire pour l'époque et qui a inspiré notamment Fez. C'est Nebulus sur Amiga. The Spider. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Ken. Où aller? C'est un peu dur de voir où est-ce que tu peux aller, quoi. Merde, putain, je l'avais, le truc. Mais attends, mais tu peux totalement glitcher le niveau, là. Tu fais ça. Non. Oh, la zig du jeu. Elle fait pas semblant d'être pété du cul. Godlike, top 200. The Walk. Ah putain, regardez, là il faut être précis. Putain, oh là là. Ça c'est un vrai truc d'enculé. Parce que du coup, faut vraiment marcher le long de la ligne. Oh là là, ce test. C'était-il le test? Parce que tu peux t'arrêter si t'es un gros con. Là, c'est un vrai test de skill. Hein. C'est faut réussir à bunny hopper tout droit tout en tirant sur le côté. Putain, non. Attends, on va y aller en mode petit pénis. Oh, c'est jouable, hein. Minefield. Merde. Non, je l'ai pas activé. Merde, là j'ai. Merde. Mais putain, je reset avant de voir que en fait je suis pas mort. Merde. J'active le truc, j'explose les mines. Super Mario Sunshine, wouhou! Oh ben ça se fait ça. Ah putain! Hell yeah. De justesse. Choice! Ah, moi je préfère le TP. Hein. Le TP est plus intuitif. Ah merde, attends, comment on fait là? Oui. Ok, d'accord. Non, t'as pas le choix en fait. Spluff. Voilà, et ensuite. Attends, ah mais non, mais c'est faut celui-là. Ah mais oui, mais après il faut le téléporteur pour aller là, le temps que c'est possible. Non, non, oui. Oh. Here comes the boss level. C'est parti pour le boss de l'étage 7. On est prêt. On est là. Oh, mais c'est Sonic. Sonic et Knuckles. Je vous dis, c'est Super Mario Sunshine, quoi. Ah, merde. Wouh. Merde. Ok, d'accord. Wouh, je rebondis pas. Ok, je rebondis pas. Merde. Putain de niveau de boss de merde. Bon, si t'as 25 secondes pour le faire, c'est qu'il est quand même relativement coton. Non mais activez tous les trucs. Putain de merde. J'ai toujours pas ce qu'ils activent en fait. Normalement c'est fait pour aller vite, donc si je bourre comme un idiot. No one will blame you for giving up.
Ah putain, les pics sur les côtés me rongent le cerveau. Qu'est-ce que ça a ouvert, bordel de merde? Oh là là. Oh, quelle horreur. Ça a l'air un peu tendu, effectivement, mais bon, c'est l'avant-dernier étage. Hein. En général, si je me presse, on a du temps après. Là, faut juste monter. Et là, faut juste... Non ! Est-ce que le chat a bugué ou est-ce que les gens sont subjugués par tant de skills ? Merde. Putain, ça finit par être pas suffisant, quoi. Yes. Bordel, c'est que ça penche. Merde. Putain, j'étais bon, là. Après, je pouvais me reposer. Et moins évaluer la situation. Le bunny hop hein, reste... Merde! Putain, je vais trop sur le côté! J'ai l'impression que je vais trop vite au début, quoi. Le beat est bon, hein, putain. Mais merde, tu vois, regarde, après, il dévie, quoi. Mais pourquoi je sauterais pas par-dessus la première là? En fait, c'est moi qui suis con, c'est qu'en fait, celle-ci tu sautes, mais non. La zik est bon, la zik est bonne. Attends, ça se trouve. Ça se trouve, il y a une technique de marouflard. Même si putain, les pics, hein, ils sont vraiment. Ils déconnent pas. Hein. Mais voilà, putain, tu peux y aller en deux secondes en fait. T'as pas besoin du truc en fait. Putain, j'y étais. Excellent. Merde. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Oh là là, t'as vu cette petite glissade là, contrôlée, totalement contrôlée. Mais non, putain, je vais trop vite. Le truc a pas le temps de tourner, quoi. Là, c'est trop. Je le savais. C'est parti pour l'étage 8. Ah, il reste encore un étage après. Sachant qu'il y a un niveau spécial quand tu as récupéré toutes les bières dans un monde. Donc ça, c'est à refaire plus tard. Pour l'instant, on fait le jeu en mode casual. Hein. Ah merde, des enculés. Attends, quoi? C'est ça en fait, faux. Faut transformer seul l'autre.
C'est facile pourtant. Bam. Ah, visiblement, il y a moyen de faire un truc encore plus plus badass. Hein. Porsche Race. Ok, d'accord. Ça va très très vite parce qu'en fait, la célérité du truc en dessous de toi qui se barre à fond la caisse. En fait, faut limite. Faut limite sauter directement sur le côté. Oh là 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 là. Ah oui, mais putain, ça va. J'aimerais arriver à atteindre le deuxième truc d'un seul coup, voilà. Ça a l'air tellement dégueulasse. Putain, mais il glisse, ce con. Putain, ça va vite. Hein. Quoi? Ah, oh, putain, faut aller tellement vite. Putain, te rends compte, faut aller sur le côté là-bas. Faut aller chercher la plateforme qui est tout à gauche après. Ah, sinon, tu l'as dans le cul. What? On va aller sur le côté. Ça reste de mode easy là-bas. Merde, putain! Ouais, c'est pas, c'est ça. Ça va hyper vite! Oh, mais là, t'es bien obligé de sauter dans le truc, quoi, merde. Si je commence par me suicider. Putain! Putain, mais je me suis... Faut quand même avancer parce que sinon les trucs te larguent. Parce que ça te lance, mais... Du coup, t'as déjà la célérité qui... Merde! Putain, ça c'est naze. Catch me if you can. Ok, ça marche. Merde, putain, j'étais en train de faire le truc. Putain de merde. Bon, le but en fait c'est d'attraper ce truc. Putain de merde. Merde!
Et voilà. Non. Et voilà, MDR. Merde. J'aurais dû attendre que l'arrêt complet de l'appareil. Ouais, on l'a quand même fait en mode extra quoi. The extra mile. Donc voilà, MDR. Non mais c'est bon, ça va bien se passer. Oui, ah d'accord, ok, déjà il fallait attraper ce truc. On sait pas ce qu'on a fait. Laissez-moi appréhender la situation. D'accord, ok, non mais c'est pas grave. En fait, le fait d'avancer là, ça bougie la trajectoire. Mais quoi? Mais attends, mais y'a rien du coup. Y'a que la bière là qui est dure à choper. Attends, mais ce niveau est à la vanille. Ah par contre, y'a 10 secondes, ok d'accord. Alors, ça marche. Quoi? Attends. Quoi? Il y a un truc à faire là. C'est possible. Il y a moyen de totalement maroufler ce niveau. C'est sûr, c'est sûr. Putain, j'en suis sûr. Y'a moyen, y'a moyen. Ou alors d'essayer d'arriver sur la petite tranche là-bas. Oui, voilà là. Oh, on va dire que c'est bon. Le Léviathan. Oh là, ça avait pas l'air. Ah d'accord, ok. C'est comme ça. En fait, faut rester appuyé sur machin dès que t'arrives. Ok, ça marche. Quoi? Ah merde! Arrêtez de remonter, petite boule de merde. C'est ça le premier truc à faire. Comment tu veux maroufler un truc pareil? Putain, faut tellement y aller vite. Non! Ça me coûtait la victoire. Hein.
sa mère. Tu vois, j'aurais aimé pouvoir gérer beaucoup mieux ma truc. Oh putain. Je te jure. Dur dur d'aller si vite là. Hein. Putain. Comme... Ah bordel. Il y a trop de pics au-dessus. Putain, c'est que en fait je prends trop de hauteur pour pas mourir dans les pics. Et encore que ça flambe là-bas. Ah ben non. C'est les deux qui flambent pas encore. Oh putain, regarde là, ça me dégoûte d'avoir loupé celle-ci, putain. Mott, no one will blame you for giving up. Putain, faut que t'attendes que ça se fasse quoi. Tellement chiant d'inverser la gravité. La BO est bien. Mais non, faut profiter du fait que à la fin t'es à côté. C'est la plus simple la dernière. Je veux pas mourir sur un truc. Mais tu vois putain là, t'essaies de la faire remonter, mais c'est tellement poil de cul. Et le jeu en fait a sa propre cloche quoi, c'est pas la cloche de d'Unreal pour le flag, c'est pas... C'est pas une cloche que t'as qui est aisée en fait en FPS quoi. Enfin, je sais pas si ça vous parle mais... Sortons de cet enfer. C'est vrai que je pourrais choper celle direct à droite sans choper la gravité quoi. Avant de choper la gravité. Jump of death. Quoi? Ah ok d'accord. Comment j'ai fait pour pas mourir? Comment j'ai fait pour pas mourir? Comment j'ai fait pour pas mourir, what the fuck? Stuntman. Ok d'accord. Oh putain, j'ai l'impression que là il faut limite genre avoir un bullet time dans la tête. Oh putain de merde, alors là ça promet quoi. Tu passes à côté, t'imagines quoi. Par contre j'ai vu qu'en fait là en dessous il y avait un truc. Ah la bière est là, ok, nickel. Voilà, ça c'est fait. On a la bière du niveau. Hop là. Et maintenant, fastoche. Fuck yeah. Fuck yeah. Out of reach. Ah, le truc disparaît, c'est ça?
fait quoi, attends. Bah, du coup, faut passer dans le truc. Fatality. Normalement, il y a moyen de passer dedans. Non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Excellent. Ah, c'est ça, faut le choper avant. Ok, d'accord. C'est que moi j'oublie le truc de... Merde. Oh, c'est quand même relou. La précision de cette cloche. Ah mais après tu fais du wall jump entre les deux. Light. Au fastoche ça. Ça c'est marrant, il y a vraiment des niveaux là, super Monkey Ball quoi. Ah merde, là s'il faut remonter par contre on est pas dans la merde. Ah merde. Oh putain, c'est tout en haut. Oh là là, le truc d'enculé en fait. En fait, tu peux vraiment aller chercher le truc dès le début. Merde, putain. Merde. C'est un truc d'enculé quand même, hein. Mais pourquoi il traverse la grille là? Oh! C'est quoi ce délire? On t'a quand même 25 secondes, donc c'est pas mal. Oui, et la bière est au-dessus de ce truc-là. Ok, d'accord, ça marche. Merde. Putain, mais la célérité du truc, c'est chaud quoi, ça me baisse le cerveau quoi. Ouais, non, mais ça traverse pas cette grille là-bas. Putain, mais c'est que ça va sur le côté cette merde! Tu vois, putain de cloche de chiasse.
Merde. Non, j'étais dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Et merde. Oh putain, après faut la gauche et la droite. Oh là là, putain, faut aller tellement vite. Alors je galère comme un con. Merde, putain, c'est relou. Putain, faut remonter tellement à l'arrache du cul, quoi. En fait, il suffit de viser loin, pas forcément... Hell yeah. Merci, Arthéon. C'est parti pour le boss level du level 8. Et ensuite, c'est terminé. Ensuite, oh merde. Putain de niveau de merde. Tu veux que je fasse quoi là? Broadsword, ok. Ah mais attends. Oh mais s'il faut se casser la tête Quoi? Merde. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Tellement dur à maîtriser cette cloche. Je sais qu'ils l'ont fait exprès pour pas que ce soit juste du skill, du tir skillé. Enfin, du tir, genre tu vises et ça touche le truc, quoi. Genre qu'en fait, il faut toujours que t'aies une espèce de physique bizarre dans la tête. Putain, une minute de speedrun. Oh là là. Ça veut dire peut-être qu'on a du mou. Je sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. J'avais pas vu ça. Merde! Putain, ça va être la grosse énigme, ça va être le niveau de votre vie, quoi. Allez! T'as vu ce bordel? Côté putain. Bon, il reste un étage après et on n'a pas fait les niveaux bonus. Merde putain, il glisse ce con. Mais bon, ça me fait plaisir de faire une autre VOD sur CM. Par contre, des fois, j'aimerais qu'il vise, quoi. Oh,
content. On va y aller mollo. Ok. Maintenant. Là. Si tu passes là. Ah oui d'accord, c'est qu'en fait il reste beaucoup de collisions sur le côté. Ok d'accord. Ok, et maintenant. C'est un peu démoniaque. Regarde, putain, les flammes, on les voit y arriver, quoi. Faut rebondir à droite. Ok. Quoi? Pourquoi ça me tue? Merde. Putain, mais je finis par me... Normalement j'aurais dû arriver avant, sur la salle d'avant, c'est pas grave. En fait, je me suis dit, peut-être que tu peux faire rebondir ce truc là. Putain. Mais non, en fait c'est pour plus tard je crois. C'est juste pour que tu l'atteignes le truc vert et puis après on voit ce qui se passe. J'aime pas que ça glisse, putain de jeu qui glisse. Oh putain quel con. Les méga grosses enceintes. C'est vraiment l'enfer de Tenacious D quoi. Non mais c'est que... Merde. Une fois que t'es dessus, en fait, le rebond peut te permettre d'aller sur les plateformes là-bas avec le TP, c'est safe. Il y a certainement un moyen de maroufler en plus. Quel con! Barbecue.
où on commence à aller plus vite. Et voilà. Non, mais je vais pas réussir à ouvrir le truc là. C'est bâtard les flammes. Hein. Putain, c'est un niveau d'une minute dans le jeu, ça veut dire un truc qui va prendre des heures à faire quoi. J'ai l'impression qu'on peut pas se TP parce que tout à l'heure quand j'ai essayé d'atterrir là, en fait le fait que ça bouge, ça t'écrase contre le mur d'à côté et du coup tu l'as dans le cul. Zig de bâtard. Putain de merde. Attends. Quatorze secondes. Alors que j'ai l'impression d'avoir marouflé toute ma vie. Et en plus on avait déjà perdu le... Là, j'ai du retard par rapport à la dernière fois. Normalement je devrais mettre moins de 10 secondes déjà pour faire le début quoi. Quand je monte sur le pont, je voudrais qu'il marquait 58 secondes, pas 57. Merde, putain, j'ai hésité. Pourquoi j'ai hésité? Voilà, et regarde, là, t'as vu ça? Voilà, ça c'est bien. On a gagné 2 secondes sur le niveau d'avant quoi. Merde, et du coup on est pas synchro. Mais non. Mais t'es sérieux? Bon, on va essayer d'y aller pour du beurre. Si je meurs à une seconde, ça va me tuer. Ça va me faire chier. Burn, baby, burn. Mais non, elle était pas déjà revenue. Putain, t'as vu comment c'est au poil de cul quoi? Des fois, tu l'actives. Bien plus en cloche que ça. Je suis sûr qu'il y a moyen de maroufler ce truc là sans attendre. Non, ça va tellement vite. Vraiment attendre les piques. Hein. Je ne prendrai plus le risque. Là c'est pareil. Et du coup j'attends les piques. Non, okay. Tant pis hein, ceux qui sont choqués et déçus. J'ai voulu aller plus vite que la musique.
Ouais, merci de bannir tous les spoilers. Je pense qu'on va spoiler et Star Wars et Game of Thrones. Fatality. Et vraiment, je vous assure que ça m'a fait chier, quoi. Parce que spoiler un film, je trouve que c'est encore pire qu'un feuilleton. Enfin, peut-être même pas, en fait. Mais Star Wars, ça me fait chier. C'était pas très rapide, ça. Regarde le temps de merde. Parce qu'en fait, le bumper vert là, je sais pas à quoi il sert, mais j'ai choisi de jouer sans. Non, il a pas récupéré le truc, putain, quel con! Uber est en Dragon Ball Super qui se spoil lui-même. Genre les promos spoil le contenu des films et des épisodes, quoi. Ce qui est bien, c'est que les gens peuvent pas faire pire. On spoil que... Putain, pourquoi j'essaie de faire ce truc là, quoi? Je fais un tir hyper risqué qui va m'apporter rien du tout. Je suis sûr qu'il y a moyen de pas s'arrêter devant, de zapper une des haches. Ouais, ce niveau est assez fou, hein. Surtout qu'il est long, en fait. C'est pas qu'il soit très très dur. Regarde, t'as vu, parce que là, il a pas pris le truc, en fait. Voilà. Ça, c'est pas mal. Non, mais putain! Pourquoi il se keblo, quoi? Putain de perso de merde! Tu vois, je t'avais dit. L'œil du tigre, mec! Ah non, le gameplay a des ratés, c'est gros. Putain! Oh, j'avais dit que j'arrêtais. Ça fait 20 minutes qu'on est dessus. Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique si derrière on fait de la grosse merde. N'est-ce pas? Jeu de pourri. Non, mais putain, mais c'est quoi ça? Putain de jeu de chiasse! Mais pourquoi je me fais chier, en fait? Je suis sûr que je peux monter tout seul, en fait.
Il est vraiment dur ce niveau. Je suis sûr qu'à partir de là, tu peux faire. Je point. Merde. Pourquoi après il perd son pouvoir, ça me rend fou. Je suis sûr que c'est possible. T'as vu comment tu peux maroufler le dernier truc quoi. En fait déjà je m'approche trop, je vais trop sur le côté. Du coup ça m'empêche de repartir assez vite. Non mais merde, au bout d'un moment. Mais c'est que le système de bourrer les trucs est bizarre quoi. Parce que j'ai pas trop compris ce que le jeu voulait de moi. Mais merde aussi quoi. Ça c'est vraiment très. Mais non! Attention, le rage quit est imminent là. J'ai une seconde de retard, j'ai deux secondes de retard sur tout à l'heure. Yes. Mais merde! Tu as trois charges sur le téléporteur? Quoi? Mais non! On en a fait deux fois plus tout à l'heure. Ou alors ça se recharge avec le temps. Est-ce que je croyais que quand tant que t'étais sur un mur, c'était infini. Non mais des fois les boules de feu, mais horrible. Le record en 25 secondes quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais est-ce que le mec il fait un truc comme ça là? Tiens, il y a que 3 charges là? Voilà, merci. Et là, le jeu il pète des câbles. Parce que le bonhomme il glisse comme de la chiasse. Ah! But I arrive!